Salut les filles, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer les cannes que j'ai. Donc j'en ai pas énormément. Donc je vais vous montrer tout d'abord les cannes que j'ai achetées. C'est dans un petit carrousel, donc c'est des tranches de cannes, hein, je précise. Donc là il y a le fruit du dragon, des fraises, du citron jaune, du melon. Pas si vous voyez bien parce que ça flotte quand je m'approche, du citron vert, des pommes entières, des kiwis, voilà, des bananes blanches, des pamplemousses, des pastèques, des bananes jaunes normales et des fraises entières. Donc vous n'allez rien voir. Et voilà. Donc après il y a une canne entière comme ceci de cupcake. Voilà. Vous allez peut-être pas voir. Elle est toute petite. Donc après ça va être les cannes que j'ai faites. Donc il y a des canne fraise, donc que j'ai faite en fimo. Ceci, vous voyez pas. Voilà, je vais vous montrer après. J'ai fait une tarte à la fraise avec, comme toute simple. Hein. Donc que je vais monter sur mon collier. Donc la mieux faite, c'est elle. Enfin, c'est ce côté, je trouve. Je ne suis pas experte en canne, hein. C'est sûr. Il y a aussi elle qui est bien faite. Donc, ça, c'était canne fraise. Après. J'ai une canne citron que j'ai particulièrement bien réussi. Comme ceci. J'en avais déjà fait une, mais elle était pas régulière. Puis ça faisait pas bien. Donc, des tranches. Des cannes plutôt. Comme ceci. Des citrons. Donc, après. Une assez récente que j'ai faite, une poire. Donc c'est la toute première que j'en fais une. Toute première fois. Donc j'en ai aussi fait une toute petite. C'est tout minuscule ce côté. Donc. Un plus gros côté. Il y a ça. Et il y a ça. Après, il y a des kiwis, comme ceci. Donc, le côté le mieux réussi et le plus parfait. Je dirais que c'est de ce côté, ou lui. Donc, après il y a des cannes pommes, mais je trouve que je l'ai ratée parce qu'elle est ronde. J'aurais dû l'écraser sur le dessus. Je trouve que ça donne pas un bon résultat. Donc, en plus gros, elle est ratée. Voilà. Donc après ça c'est une vieille canne, donc j'ai fait normalement un tuto nail art avec. Donc c'est une canne spirale. C'est ma toute première canne bien réussie. Voilà, vous allez rien voir. Donc c'est la plus molle que je l'ai cuite dans un four, dans le four de la famille. Maintenant j'ai un four spécial fimo. Pour la fimo, pas spécial fimo. Donc après, il y a plein de tranches comme ceci,
Je me suis amusée à couper, parce que j'aime bien couper. Voilà, en salade de fruits. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Ça me fera vraiment très plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Ça aussi, ça me fera vraiment beaucoup plaisir. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et aussi, si vous voulez que je vous fasse une vidéo particulière, dites-la moi. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans vos pensées. Hein. Donc, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous!